Yep les gens, c'est Bastos, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur Black Ops 2, un petit retour aux sources. En sachant que dans 4 mois, il y a Black Ops 3 qui sort. Donc voilà, donc je suis en ligue, hein, je joue à la MSMC Grand Cap et je sais plus trop quoi j'avais. Donc foudroiement, R9 Furtif et Helico. Donc un petit gameplay où je galère au début et à la fin vous verrez, je suis chaud patate. Donc voilà, donc sujet de la vidéo, c'est quel est le Call of Duty le mieux développé. Hein, par les développeurs. Donc en gros, quel est le Call of Duty le mieux développé. Donc je vais commencer à partir de Modern Warfare 2 jusqu'à Advanced Warfare, car on peut pas trop comparer Code 4 et Code 5, car il y avait peu de score streak. C'était pas comme à l'époque de Modern 2 où on avait le choix des score streak et tout. Donc juste pour ça, ça serait pas eux les meilleurs, même s'ils sont déjà très bien. Donc déjà pour moi, je vous le dis honnêtement, Call of Duty, le meilleur Call of Duty pour moi, c'est Black Ops, premier du nom. Pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, je vais comparer Black Ops et Modern Warfare 2. Alors dans Modern Warfare 2, il y avait quoi? Les mains de mort, les barreaux d'honneur. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les mains de mort, les barreaux d'honneur, les lance-patates, les machines de guerre, les dangers rapprochés. Une arme qui avait la puissance et la précision d'un sniper. Le MP45, bien sûr. Donc voilà, et si déjà dans tout ça, ça peut pas rivaliser à Black Ops 1, car dans Black Ops 1, ils ont... déjà, il y avait le barreau d'honneur, ok, pas de souci. Il y avait barreau d'honneur, mais le barreau d'honneur était de manière à ce que il ait un petit flingue. Le mec sur Black Ops 1, le mec sur Black Ops 1 avait un petit flingue s'il était en barreau d'honneur. Alors que sur Modern Warfare 2, bien sûr, le mec gardait son arme principale. Donc s'il avait l'UMP, il gardait l'UMP. Sur Black Ops 1, on ne retrouve pas de main de mort, de danger rapproché ou quelque chose comme ça, non. Mais oui, on garde quand même le lance-grenade. Le lance-grenade est moins puissant que sur Modern Warfare 2. Donc c'est déjà pour ça que je préfère Black Ops 1 à Modern Warfare 2. Donc le Call of Duty qui est suivi après Black Ops, c'est Modern Warfare 3. Donc pourquoi j'ai pas aimé Modern Warfare 3? Parce que Activision n'a pas suivi que ceux de Triarch. Ceux de Triarch avaient enlevé main de mort. Et qu'est-ce qu'il y a sur Modern Warfare 3? Qu'est-ce qu'on retrouve? La main de mort, la martyr. Enfin voilà, on découvre encore des connexions absolument dégueulasses avec des temps de latence. Donc bon, fallait faire une manipulation pour pas avoir tant de latence et tout. Enfin bref, c'était absolument dégueulasse à jouer. Donc temps de latence, ceux qui connaissent pas, c'est par exemple vous sur votre écran, vous êtes derrière un mur, mais sur l'écran du mec, vous êtes encore face à lui quoi. En gros, c'est ça un temps de latence et tout. Enfin moi, j'en avais personnellement, ça me saoulait. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre Modern Warfare 2 en première position. Modern Warfare 3 en première position. C'est pour ça que Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 pour moi, c'est pas le Call of Duty le mieux réalisé. Qu'est-ce qu'il y avait après? Après il y avait Black Ops 2. Aïe 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 aïe. Black Ops 2, assez dur, hein, assez dur. Donc je vais y aller par plusieurs chemins. Black Ops 2, alors le j'ai pas beaucoup joué à Black Ops 2 multijoueur, mais j'ai beaucoup joué à la ligue. Ça c'est quelque chose, franchement, le multi de Black Ops 1, j'ai autant adoré que la ligue sur Black Ops 2. Donc là c'est un peu dur. Pour moi c'est un peu dur de choisir lequel est le meilleur. C'est pour ça d'ailleurs que là vous avez un gameplay en ligue. Donc simplement je dirais que c'est Black Ops 1 qui l'emporte, grâce à une solution, grâce à une chose. C'est que le zombie de Black Ops 1, je l'ai préféré à celui de Black Ops 2. Je tiens à le dire parce que voilà, Black Ops 2 j'ai pas trop aimé les trucs qu'il fallait construire, je sais pas trop quoi et tout. Je préfère les trucs à l'ancienne comme des rails et tout, où il fallait utiliser des téléporteurs et tout ça, j'ai mieux adoré. J'ai une préférence pour le zombie de Black Ops 1 que pour Black Ops 2, donc c'est pour ça que pour moi, mais voilà, clairement. Après c'est vrai que, après il y a quelque chose qui m'a fait rager aussi en multi, hein. J'ai un peu joué en multi, hein. C'est bien sûr, comment ça s'appelle, les charges électriques avec les Betty, les batteuses. Les batteuses, hein, qui cassaient bien les cacahuètes, hein, si on peut dire ça comme ça, avec le détecteur de cible. Donc voilà, donc c'est plein de choses qui ont fait que Black Ops 2, voilà, c'est préférence à Black Ops 1. Donc après Black Ops 2, il y a eu Ghost. Alors Ghost, je pense que tout le monde est d'accord. Ghost, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ghost, c'est pas du tout un jeu qu'on a adoré tous. Je pense que tout le monde a détesté ce jeu. Hein, donc pourquoi déjà les maps sont trop grandes? Les maps sont trop grandes, c'est dégueulasse à jouer. Donc voilà, donc déjà juste pour les maps, c'est pas possible que ce jeu je le mette dedans.
Le coup de gueule qu'a eu la communauté. C'est pas possible que je le mette dedans encore Ghost. Il y a eu beaucoup trop de choses pour que Ghost était un bon jeu. Donc je vais prendre un exemple. Tout simplement la base qui m'a fait rager sur Ghost, c'est que je peux pas me mettre en favori EEI plus chien de garde. Alors ça les gars, ça vous êtes en tentative KEM, c'est fini, c'est mort. Vous avez aucune chance d'avoir votre KEM s'il y a une EEI et un chien de garde juste à côté. Donc Ghost, on oublie. Et après qu'est-ce qu'il y a? Il y a Advanced Warfare, le dernier. Donc en sachant que j'ai absolument détesté Advanced Warfare sur la PS3, mais sur la PS4, clairement c'est un jeu que je kiffe, hein. Mais c'est vrai que à cause des doubles sauts et tout, il y a beaucoup de la communauté qui n'ont pas aimé Advanced Warfare, et c'est pour cela que je peux pas le mettre en première position. Après l'exo-zombie, j'ai pas pu y jouer, donc je peux pas dire si c'est bien, si c'est nul. C'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur ce sujet, hein. Donc voilà, donc pour moi, je ne peux absolument pas mettre Advanced Warfare en premier. Donc mon classement des meilleurs Call of Duty. Donc en première position, il y a Call of Duty Black Ops 1. En deuxième position, Call of Duty Black Ops 2. Hein, logique, avec la ligue et tout, c'était vraiment l'un des jeux bons avec le zombie. Troisième position, bien sûr, vous vous en doutez, Modern Warfare 2. Quatrième, Modern Warfare 3. En cinquième position, Modern Warfare Non. En cinquième position, ouais, Advanced Warfare. En sixième position, Modern Warfare normal. En septième position, Code 5, j'arrive pas à dire, donc vous moquez pas, j'ai un accent de merde. What are war, ou enfin bref, Code 5, vous avez compris. Et en huitième position, bien sûr, Call of Duty Ghost. Je crois que c'est la huitième position, si je me trompe pas. Call of Duty Ghost. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Vous pouvez voir que j'étais quand même en grosse série. Je suis en série de 15, hein. Je suis pas mort encore. Je suis au prochain, je commence à débloquer pas mal de séries. Donc voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc bien sûr, dans un mois maintenant, la bêta de Black Ops 3 sort. Dans 4 mois, le jeu Black Ops 3 sort. Donc j'attends énormément. Et puis voilà, j'ai fait un magnifique carnage. Donc au passage, je tiens à remercier Code QG ou Code CF s'il m'upload, car c'est quand même un beau gameplay. On est en ligue, donc voilà, hein. Voilà, c'est quand même un beau gameplay. Je finis sur un assez bon score. Je sais pas si j'ai réussi les 50 bombes, donc les 50 kills. Je crois que je suis à 1 kill ou les avoir réussi ou un truc comme ça. Donc voilà, donc si il m'upload, même s'il m'upload pas, mais mettez votre Call of Duty préféré, hein, le top 3 de vos Call of Duty préférés dans la description en commentaire. Donc voilà, je vous laisse avec bien sûr. Je fais du 49 à 11 si je me trompe pas. Attention, 49-11, voilà, j'avais raison. Donc 250-72, on les a déchirés. Je vous laisse avec un clip bonus. Un magnifique turn que j'ai mis au piton sur Black Ops 1. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars. Prenez soin de vous et ciao ciao, peace. Abonnez-vous les gars, n'oubliez pas. Future vidéo qui arrive. Ciao ciao les gars.